tous, on est ensemble pour les énergies de ce mardi, l'agenda. Nos amis béliers. Alors, pour vous, nous avons le chariot, donc je dirais, on voit bien que c'est le début de la semaine, hein, on part sur des chapeaux de roue. Ici, malheureusement, il peut y avoir un arrêt peut-être dû à une situation de votre passé. C'est-à-dire que vous partez assez conquérant ce mardi, mais quelque chose vient un petit peu vous bloquer, vient enliser la situation. Alors, vous pouvez tout à fait vous rendre compte que vous êtes finalement un peu fatigué. Attention à ceux qui reprennent le travail ici après un arrêt maladie, par exemple, parce qu'ils vont sentir que c'est peut-être un petit peu tôt pour une reprise. Mais une énergie débordante est comme si votre corps ne suit pas. Le mental y est, mais le corps est fatigué, il a besoin de pause, il a besoin de repos, il a besoin de se remettre d'une situation. Peut-être que ce week-end, vous avez trop fait la fête. Peut-être que ce week-end, vous avez été très, très, très occupé et que du coup, eh bien, ce lundi, mardi, on ressent un petit peu la fatigue, le contre-coup. Peut-être même que vous êtes sorti hier soir. Donc, je dirais qu'ici, il faut penser à vous ménager. D'accord ? Pour ce mardi, ménagez-vous les béliers. Avec la tamée, qui est quand même le poignard détenteur d'un pouvoir ici. Il nous parle d'émancipation, de direction et de limites. Alors, on vous engage évidemment à parcourir le monde avec confiance et assurance, une fois que vous avez soigneusement choisi la direction que vous souhaitez prendre, hein, ici, avec notre chariot. Il faut concentrer vos forces vers un objectif et vraiment éloigner tout ce qui vous entrave dans votre situation actuelle. Alors, pour développer votre puissance, assurez-vous que vos limites sont adéquates et bien définies. Vous voyez, ici, c'est un petit peu comme si vous ne respectiez pas vos limites pour ce mardi. Donc, on vous dit bien que c'est la puissance, l'énergie qui vous protège et qui vous guide, mais il y a aussi, en notion plus mineure, le respect des limites personnelles qui est primordial. Donc, n'en faites pas trop, Bélier. On se ménage. Taureau. Le mardi des taureaux avec la justice. Alors, ici, quand on parle de justice, vous le savez, on parle d'un retour sur investissement. La justice est un personnage qui vous regarde droit dans les yeux. Donc, elle vous dit, est-ce que vous avez fait tout votre possible pour trancher, pour être équitable, pour être juste. Ici, avec nos chemins qui nous parlent comme la justice, hein, de choix, de décision à prendre, on peut être un petit peu dans la confusion ce mardi taureau par rapport à des décisions qui doivent être justes et justifiées. Parce que ici, il y a possiblement deux personnes. Si vous tranchez pour l'une ou pour l'autre, que ce soit vous et une autre personne, on va vous demander des comptes. Donc ici, je dirais, vous vous posez ce mardi pour établir une ligne de conduite à venir. Alors, ça peut être évidemment sur le plan légal, hein. Ça peut être tout simplement entre frères et sœurs ici qu'il y a besoin de prendre une décision et d'être juste aussi. Un choix, une décision peut-être de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Dans tous les cas, il faudra réfléchir. Avec l'homme vert, alors on vous parle ici de croissance, de prospérité, de confiance. Si vous êtes un homme, cette carte vous offre l'opportunité d'être gardien et protecteur, un appui pour les autres. Si vous êtes une femme, eh bien vous êtes invitée à chercher votre côté masculin et à vous en emparer. Il y a une action positive qui entraîne un changement positif. Et s'il y a des conflits au sein de la famille, dans les relations sociales ou intimes, demandez-vous si ces relations sont saines et productives ou s'il est temps de les remettre en question.
il est toujours possible d'évoluer et de communiquer. On a ici pour vous une notion qu'il y a des opportunités qui vous attendent. Mais il faut aussi que vous teniez compte d'honorer, de respecter les autres comme vous-même. Donc, je pense qu'on va vous demander des comptes sur une situation ce mardi. Nous allons vers nos Gémeaux. Ici, pour les Gémeaux, on se retrouve suspendu volontairement, hein. Et on analyse une situation du passé qui peut concerner une entreprise, qui peut concerner une administration, une structure, un bâtiment, quelque chose qui pose problème. Alors c'est un problème ponctuel évidemment avec notre nuage, c'est pas quelque chose qui va durer longtemps, mais pour justement dépasser cette problématique, vous avez besoin de voir la situation sous tous les angles. Donc peut-être de cette façon, allez-vous vous rapprocher d'une solution adéquate, judicieuse, et certainement votre patience et votre prise de décision d'observation aura porté ses fruits. Vous avez la baguette magique. Eh bien oui, baguette magique ici, de l'attention, de l'action et des intentions. Donc elle représente toutes les intentions ainsi que la direction de celle-ci. Alors il se peut que les intentions que vous ayez envers vous ou envers quelqu'un, manque de clarté et que vous ne sachiez plus trop comment faire avancer ces situations. Vous voyez, cette position ici, elle n'est pas anodine. Et on vous dit quand même, évitez d'agir à l'aveugle. Regardez où vous allez et pourquoi. Il faut trouver vos motivations personnelles. Donc, tenez-vous-en aux intentions, aux buts, en accord avec qui vous êtes et ce que vous êtes et ce que vous voulez. Ne vous laissez pas influencer. Ici, je pense que l'univers attend pour agir en fonction de vos décisions avec cette baguette magique. On vous dit qu'il vous faut une attention soutenue et surtout, évitez la passivité. Ne rien faire ne serait pas judicieux. Cancer. Pour nos cancers, nous avons la protection de l'étoile et aussi des communications. Ces communications ici sont peut-être d'ordre très émotionnel, c'est pour ça hein, que vous déversez vos émotions dans cette rivière. Donc ça peut être aussi en relation avec un travail indépendant, ça peut être un courrier qui est là aussi en relation avec une ordonnance médicale. Peut-être pour gérer vos émotions, peut-être un surplus ici pour nos cancers émotionnels sur ce mardi. Mais dans tous les cas, de la communication et une belle protection. Donc, on n'a pas d'inquiétude majeure pour nos cancers. Tout va bien ce mardi. Aradia. Aradia, elle nous parle d'héritage. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une légitimité à revendiquer. Il faut affirmer qui vous êtes. En même temps, croire en ce que vous faites et surtout, recevez l'aide dont vous avez besoin. Donc, il y a des circonstances de la vie qui sont des reflets de votre monde intérieur ici. Hein. Tout cet amas de sentiments, d'émotionnels, il est peut-être temps pour vous de changer, de laisser une transformation s'opérer. Donc ici, évidemment, revendiquer ce qui est votre dû. Il y a un succès qui vous attend. Mais quand même, revoyez vos croyances et opinions personnelles si jamais vous vous sentez un petit peu débordé. Regardez de façon à pouvoir obtenir ce que vous avez droit d'avoir et surtout que ça ne soit pas discuté par les autres. Nous allons voir les lions. Pour nos lions, ce mardi, avec la jolie impératrice qui regarde l'enfant. Alors, comme vous pouvez le voir ici, le sceptre et notre valet a lui aussi, pas un sceptre, disons une badine, peut-être parce qu'il est à cheval et qu'il a besoin d'avoir de quoi diriger sa monture. Mais on nous parle ici de nouveaux projets, de nouveaux investissements sans doute,
émotionnelle probablement, peut-être par rapport à une personne plus jeune. Dans tous les cas, il y a cette notion de protéger, d'aider, de soutenir. Et quelque part, si l'impératrice regarde notre enfant et notre valet, le valet, lui, regarde le futur. Donc, il n'y a peut-être pas autant d'attirance que ce que l'on pourrait penser. Et donc, peut-être, il s'agit ici uniquement d'aide et de soutien par rapport à un nouveau projet ou par rapport à une jeune personne ce mardi. Avec le néophyte. Le néophyte nous parle des études, hein, de l'apprentissage, de la compréhension, des évolutions. Alors, ça signifie peut-être qu'il est temps d'accéder à une meilleure compréhension de votre vie et de votre univers. Ce qui n'a pas été clair jusque-là va le devenir, car vous allez recevoir des enseignements porteurs de réponses. Il faut être attentif aux coïncidences et suivez votre instinct, les lions. Vous traversez certainement un moment important dans votre évolution, donc soyez ouverts aux apprentissages. C'est peut-être ça que l'impératrice vous dit. Il est toujours temps d'apprendre, toujours temps d'être initié ici, même si l'on n'est plus un enfant, bien sûr. Donc ici, je dirais que il y a des circonstances qui semblent ou positives ou négatives, mais elles sont exactement ce qu'il vous faut pour un autre, pour vous mettre d'accord avec les autres. C'est quand même que toute expérience est nourriture pour l'âme. Et dans tous les cas, tout se déroule par rapport à un schéma que vous avez vous-même initié. Donc, apprenez, écoutez. Vierge. Pour notre Vierge, avec la SN et les changements qui la suivent, donc évidemment, quand on se met à nu dans une situation, on attend de récolter évidemment le bénéfice de cette honnêteté, de cette droiture que l'on a eue, de délivrer la vérité de ce que l'on est, de ce que l'on fait, de ce que l'on veut. Et évidemment, ici, on a dû couper certains liens qui étaient un petit peu lourds, difficiles, compliqués et qui nous empêchaient ici de nous envoler avec la cigogne. Donc, c'est quelque chose qui va être bienvenu pour vous, les vierges. Quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant avec peut-être un petit peu cette notion de nervosité, d'impatience. Avec la cloche, eh bien, la cloche nous parle d'éveil. Ben oui. Ici, on a coupé certains liens et il y a une célébration donc qui arrive et un changement. Vous êtes invité à aborder une nouvelle situation. Alors, il peut s'agir d'un mariage, d'un nouveau travail, d'un nouveau départ. Dans tous les cas, les esprits sont à l'écoute de vos besoins, hein. Il faut vous préparer à voir votre intuition grandir. Il va falloir formuler des questions et des prières avec soin parce que les mots sont chargés de sens en ce moment pour vous. Donc ici, ce que vous appelez de vos voeux va être entendu. Donc célébrez un changement de circonstances et réveillez-vous, c'est le moment d'écouter et d'apprendre. Balance. Le soleil brille. Oh, quelle belle réjouissance pour vous, les balances, en ce mardi. Vous êtes bénis ici par les rayons du soleil dans une union, un contrat, une union associative ou un partenariat par rapport au cercle familial, par rapport au domaine financier, quelque chose de très positif pour vous ce mardi. Et nous avons quand même le chat noir. Alors, vous voyez ce beau chat, ces bougies éclairées ici, il nous dit, c'est la clairvoyance et la protection. On vous invite à ouvrir vos récepteurs psychiques afin de garder l'esprit clair. Mais il s'agit plus d'un conseil que d'un avertissement, hein. Donc, il est possible qu'il faille faire preuve de patience, de garder l'esprit en éveil et d'utiliser vos dons. Être vigilant vis-à-vis de votre entourage. Car il se peut, lorsqu'il paraît le chat noir, qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas totalement bienveillant envers vous. Donc, dans les aspects principaux avec ce chat noir, vous avez des qualités de visionnaire,
de guide, de don. Et malgré tout, il y a une vigilance qui s'impose. Regardez bien autour de vous. Nous partons chez les scorpions. Avec nos scorpions et cette jolie roue qui tourne. Et là, je dis qu'elle est très belle. Pourquoi ? Parce qu'elle est associée avec la clé, les solutions, les ouvertures. Un petit coup du destin ce mardi va vous permettre d'aller de l'avant de façon très positive. Ici, on nous parle d'une situation ou relative à la santé, à la famille, au bien-être. Dans tous les cas, quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Nous avons la pierre de protection. Ben oui, la pierre trouée, elle est là pour vous protéger. Elle est là pour imposer aux autres des limites, pour vous apporter des bienfaits et vous dire que vous êtes en pleine possession de votre pouvoir. Vous avez ou vous aurez bientôt pleine conscience des énergies qui circulent autour de vous ou de vos proches. Donc, assurez-vous que votre environnement est clair pour pouvoir réceptionner toute cette belle énergie de protection et de bienfait. Ici, franchement, ce mardi, il y a un bienfait qui vous attend. Et certainement, une protection à avoir par rapport à de nouveaux projets. Nous allons voir les Sagittaires avec notre empereur. Regardez, deux hommes importants, l'homme du foyer, peut-être la personne engagée, mais dans tous les cas, le père de famille et le père des pères en étant empereur. Donc, c'est lui qui dirige la maison de son pays. Ici, on nous dit qu'il y a un mouvement, un changement. Certains d'entre vous pensent à déménager. Certains d'entre vous pensent à un déplacement, à un voyage, peut-être pour aller voir justement quelqu'un de la famille. Un père, une mère, quelqu'un d'important. Est-ce qu'il y a aussi une notion peut-être d'aller voir un bien du patrimoine pour décider ce qu'on va en faire? Y habiter, le louer, le vendre, le rénover? Quelque chose quand même d'assez intense hein, pour ce mardi, les Sagittaires. Vous avez le cône de pouvoir. Ben oui, on voit bien, hein, le pouvoir, il est optimal ici. Hein. L'empereur, le père, qui est au foyer, donc le maître de la maison, et le cône de pouvoir en énergie. Donc là, c'est de l'énergie pure. On vous demande de l'attention et de la concentration. Alors cette énergie, elle est à votre disposition. Elle peut être utilisée pour faire le bien, évidemment. Concentrez-vous sur vos intentions et nourrissez votre flamme créative avec des affirmations positives. Il y a une énergie nouvelle qui est là pour venir éclairer une situation ancienne ou obsolète. On va avoir besoin de votre énergie, alors préparez-vous à un appel. Si des choses sont devenues trop sérieuses, comme notre empereur, ou intenses, il va falloir que vous trouviez un lieu où vous ressourcez. C'est peut-être ça, la maison, le foyer. Et demandez aux autres de prendre un petit peu la direction des opérations afin de vous reposer. Et demandez-vous également si vous ne recevez pas plus que ce que vous donnez. Soyez attentif quand même à cette énergie parce que s'il y a un blocage dans la réciprocité des échanges, ça risque de bloquer cette énergie, cette attention et cette concentration que l'on vous demande. Alors évidemment, l'empereur reçoit beaucoup. Ce qui donne est un petit peu abrupt. Donc peut-être vérifier que l'énergie qui est concentrée et activée soit vraiment dans la circulation ce mardi. Capricorne, la force est en vous, Capricorne. Vous êtes le Jedi du mardi. Donc ici, on ne recule pas. On a pris position, on a décidé quelque chose, on se tient à une certaine ligne de conduite. Ici, évidemment, on va devoir prendre une décision. On va devoir aussi communiquer au sujet de cette décision. Il semblerait qu'il y ait un retour par rapport au fait que vous aviez pris cette décision un petit peu immuable, mais,
mais que vous n'assénez pas à grands coups de marteau, hein. C'est quand même fait en douceur tout ça. Et ça va vous ramener vers une paix et une sérénité dont vous avez besoin, les Capricornes. Vous avez la carte d'énergie de la déesse avec la transcendance. Donc tout droit vers les étoiles, hein, comme notre carte des étoiles ici. Il y a vraiment de la foi. Et la foi, c'est ce qu'a la force. Elle a foi dans ce qu'elle fait, dans ses décisions, dans ses prises de position. Donc ici, dites directement quel est votre rêve et quels sont vos souhaits. Élevez-vous au-dessus des restrictions. Si vous vous sentez oppressé, si vous vous sentez un petit peu perdu et seul, tournez-vous vers les autres. Ils vont vous éclairer, ils vont vous aider. Recherchez la compagnie de ceux qui sont sages. Ayez la foi de vous trouver vous-même et poursuivez vos rêves. Ne lâchez pas, vous avez raison. Les rêves peuvent se réaliser. Vous n'êtes pas seul. Verseau. Oui, je sais, je fais le hibou. Alors, ici, quand on a la carte du choix de la décision et qu'on se retrouve avec une croix, c'est qu'il y a quelque chose quand même en termes de décision et de choix à faire qui est un petit peu douloureux. Vous savez, cette expression, quand on dit la peste ou le choléra, quand on doit choisir entre les deux, il n'y a pas de bonne solution en définitive. Quand on doit choisir entre l'amour et l'amour, il n'y a pas de bonne solution, quelle que soit la nature de cet amour. Ici, vous aurez besoin de discuter de cette problématique que vous rencontrez, de ce choix douloureux qu'on vous demande et qui ne vous convient pas. Donc, vous allez passer par la négociation, par la discussion, par véritablement le besoin d'évoquer cette situation avec d'autres. C'est clairement quelque chose de votre passé ici. Et ce n'est que passager. Mais ce mardi, ça vous impacte. Alors, l'étoile à six branches. On vous parle d'unification ici, hein. Homme, femme, haut, bas, soleil, lune. C'est l'unification. Et là, vous n'êtes pas unifié. Vous êtes dans un dilemme, dans un choix, à droite ou à gauche. On vous demande de réunir les deux. Ici, vous devez apporter un équilibre, donc une harmonie. Il va falloir que vous trouviez ce point d'harmonie. Donc, véritablement, votre cœur est ouvert et c'est un moment où, effectivement, le masculin et le féminin peuvent se retrouver pour créer quelque chose d'entièrement nouveau. Donc, les relations ici vont jouer un rôle crucial à tous les niveaux, que vous soyez seul ou en couple. On cherche à attirer votre attention sur quelque chose ce mardi. Ou alors, on vous indique que quelque chose va arriver bientôt. Et votre cœur détient la réponse. Au fond de vous, vous savez ce que ça concerne. Donc, trouvez comment harmoniser vos relations. Poisson. Ah, notre poisson saisit une opportunité. Opportunité d'aller quelque part. Oui, on s'est décidé. Regardez, je passe un petit peu plus vite, mais regardez. Le grand prêtre et le mat. Vous ne trouvez pas qu'ils se ressemblent? Ils se ressemblent fortement. Ici, la clé de Ankh. Ici, la cuillère, le bâton. Le bouclier, le serpent au-dessus de la tête et ces volutes-là de ce chapeau un petit peu spécial, c'est très, très, très ressemblant, hein, à part les ailes, évidemment. Mais ici, alors, cette direction que vous allez prendre, c'est pour clôturer quelque chose. C'est certainement pour tourner une page, pour transformer une situation qui ne vous convient pas tout à fait. Donc, vous avez besoin de prendre de l'élan, vous avez besoin de tourner le dos à quelque chose, malgré qu'on n'est pas loin derrière vous, qu'on pourrait essayer de vous retenir. C'est pas vraiment ce qui vous intéresse à ce mardi. Vous allez saisir une opportunité. Opportunité peut-être pour vous, justement, d'en terminer avec une situation.
Alors, cette opportunité, elle est éphémère, hein. Si vous la ratez, vous retournerez en arrière. De quoi on parle ici? Ben, le grand prêtre, c'est un gardien. Défense, sagesse et enseignement. Donc, il vous invite à vous laisser guider par la maturité et pour le moment, à ne pas prendre d'engagement au-delà de vos capacités. Vous voyez, cet engagement-là que vous prenez, il est peut-être au-delà de vos capacités. Il est possible que vous bénéficiez d'influence ou d'aide d'une personne d'autorité aussi. Il est possible que des problématiques autour de l'autorité vous préoccupent. Donc, défendez ce en quoi vous croyez. Mais honorez toujours la sagesse des autres. Il faut rester humble dans vos échanges avec le monde. Donc, si vous avez vécu des situations qui vous perturbent, sachez qu'il faut toujours rester humble face à ceux qui sont plus haut en termes de sagesse, en termes d'expérience. On vous dit, reprenez votre route en restant fidèle à votre but. Puis, visez les étoiles, carrément. Et surtout, ne doutez pas de vous. Vous avez raison d'être là. Donc ici, avec la sagesse, absolument tout est possible. Mais l'humilité reste nécessaire. Je vous souhaite un bon mardi à tous et je vous dis à demain.